Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que tu as déjà entendu maman te dire « Attention mon chéri, ne t'approche pas de la cuisinière, tu peux te brûler. Ne touche pas au couteau, ce n'est pas un jouet, tu peux te blesser. Ou bien, ne joue pas avec la prise, l'électricité c'est dangereux. Ne prends pas les médicaments tout seul, ce ne sont pas des bonbons. Ou bien, ne te penche pas à la fenêtre, mon bébé, tu peux tomber. À ton avis, pourquoi on dit ça aux enfants? Oui, parce que ce sont des gestes dangereux. Aujourd'hui, on va parler des dangers de la maison. Et je te propose de regarder ce dessin animé. Les dangers de la maison. Ce matin, maman discute dans le jardin. Tini et Tounis décident de rentrer à la maison. Pendant que maman est occupée, je vais prendre soin de toi, Tounis. J'ai faim. Tu as faim? Allons dans la cuisine chercher à manger. Maman a interdit à Tounis d'entrer dans la cuisine en son absence, car la cuisine regorge de dangers. Malgré l'interdiction, les enfants entrent. Maman a commencé le repas. Ça sent tellement bon. Tounis se précipite sur la casserole fumante pour voir ce que maman a préparé. Attention Tounis, la casserole est chaude. Il ne faut pas la toucher, tu vas te brûler. Tounis tout triste recule de 3 pas. Puis il aperçoit quelque chose dans le four. Non Tounis! Le four également est brûlant. Prends plutôt un petit morceau de gâteau, mais un seul, car si tu manges trop de chocolat, tu vas être malade. Tini tend un morceau de chocolat à Tounis, qu'il mange très rapidement. Tounis décide de s'en recouper une part. Il s'empare du couteau. Oh non, Tounis, tu es trop petit pour te servir d'un couteau. Laisse. Je vais le faire. Ok. Que c'est bon. Mais c'est très sucré et ça donne soif. Tounis dit alors. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Tu as soif, Tounis? Attends, je vais te chercher de l'eau. Mais Tounis est impatient. Il aperçoit une bouteille près du placard sous l'évier. Il s'approche d'elle. Oh non, Tounis, c'est du produit pour nettoyer le sol. Il ne faut pas boire ça. Et non, non, non. À ce moment-là, maman entre dans la cuisine. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tini se jette dans ses bras. Maman, je voulais être une maman comme toi et m'occuper de mon petit frère. Mais c'est trop difficile. Il y a plein de dangers dans la cuisine. Je comprends pourquoi tu as interdit à Tounis d'y rentrer. En effet, Tini, les enfants n'ont pas encore conscience du danger. C'est pour ça que j'avais fermé la porte. Je suis désolée, maman. Tounis avait faim et je croyais bien faire. Tu t'es bien occupée de ton petit frère. C'est l'essentiel. Mais à l'avenir, écoute ta maman. Maman fait alors un gros bisou à Tini et à Tounis. Voilà, l'histoire est terminée. Est-ce que tu as bien écouté? Maintenant, je te propose un petit jeu. À tout de suite pour la prochaine vidéo.